Hein, on dédie ça pour le peuple palestinien. Voilà. Nous, les Algériens, on a toujours soutenu le peuple palestinien. Notre joie, c'est pour eux. C'est un peuple mépris. On leur dédicace cette victoire. Et on vous dit, on va gagner la finale, Inch'Allah. La victoire de l'Algérie face au Nigeria a été la prise d'assaut pacifique de l'Arc de Triomphe à Paris par de nombreux supporters d'origine africaine. La présence massive des supporters heureux de la victoire des Fennecs en finale de la CAN, soit une douzaine d'années que le peuple algérien attendait ce moment de communion nationale. Bon, nous les Algériens, on est fiers d'avoir gagné. Attendez. On est contents. On dédicace ça à tous les musulmans. La CAN, c'est les musulmans. On est ensemble. Que ce soit des Noirs, des Arabes qui gagnent, on est fiers. On fait ça ensemble. Barès Ballon d'Or. Quelques Sénégalais présents et futurs adversaires de l'Algérie ne se laissent pas impressionner. On a gagné contre la Tunisie, les Arabes, les Afrimous, comme je n'ai pas. Maintenant, vendredi là, on joue contre qui? Contre l'Algérie. L'Algérie là, oh, l'Algérie, on va les botter quand même. L'Algérie, on va les tuer. L'Algérie, on va les taper. Après, le meilleur gagne. La ferveur des supporters algériens était omniprésente autour de Riyad Mahrez. J'ai envie d'envoyer un grand message pour l'Algérie. On est fiers d'être en Turquie, toujours. Riyad Mahrez, le capitaine. On est fiers d'être en Les bourgeois deviennent ouf, j'ai 8 de bouffe, ça vient dans les sous-bois, pas de son poil et de bois, j'parle pas la langue de bois, c'est Rouskov, Sénégal au Tamba, ton style est trop pauvre, moi Hamdoullah Sava. La présence policière était inéluctable pour dissuader de toute forme de manifestation excessive face à des touristes éventuellement présents. Noticing that the fireworks by the Eiffel Tower were like by far the least distracting thing going on around here. Quelques débordements se sont produits entre 2h et 3h du matin et sans sommation aucune, les forces de l'ordre ont riposté par l'utilisation de gaz lacrymogène qui n'a hélas épargné personne. Au lendemain de ces manifestations, certains médias et hommes politiques n'ont pas hésité à fustiger ceux qui sont devenus à leurs yeux, le soir d'une CAN, uniquement des Algériens. À titre d'édification, les supporters présents, le sélectionneur Djamel Belmadi et 70% du 11 entrants algériens face au Nigeria sont tous titulaires du passeport français. Et leur choix de carrière ne fait pas d'eux des Français de seconde zone.